La méditation de ce 9 août est intitulée « Vaincre les mauvaises habitudes ». Conserve-toi pur. 1 Timothée 5, 22. Savoir ce que constitue la pureté de l'esprit, l'âme et le corps est une partie importante de l'éducation. En Jésus, nous pouvons recevoir la force pour vaincre, mais quand la pureté fait défaut, quand le péché devient une seconde nature, le caractère exerce un pouvoir ensorcelant, comme un verre de liqueur enivrante. Le pouvoir de la maîtrise de soi et de la raison est réduit à néant par des pratiques qui souillent l'être tout entier. Si l'on persiste dans ces pratiques coupables, le cerveau est affaibli, rendu malade, déséquilibré. De telles personnes sont une malédiction pour elles-mêmes et pour ceux qu'elles côtoient. Les mauvaises habitudes sont acquises plus facilement que les bonnes et elles sont plus difficiles à abandonner. La dépravation naturelle du cœur explique ce fait bien connu. Il est plus facile de démoraliser la jeunesse, corrompre ses idées relatives au caractère moral et au religieux, que de graver dans son caractère des habitudes durables, pures et non corrompues de justice et de vérité. La complaisance propre, l'amour des plaisirs, l'inimitié, l'orgueil, l'amour propre, l'envie, la jalousie se développent spontanément, sans la nécessité d'être enseigné. Dans notre situation actuelle d'être déchu, il suffit d'abandonner l'esprit et le caractère à leur tendance naturelle. Dans le monde naturel, si vous laissez un champ sans soin, vous le verrez se couvrir d'épines et de chardons. Mais pour qu'ils produisent de précieuses moissons ou de belles fleurs, un travail incessant et un soin constant sont nécessaires. Il vous faut constamment résister au mal. Tout le ciel s'intéresse aux hommes et aux femmes que Dieu a tant aimés qu'il a livré son Fils bien-aimé à la mort afin de les racheter. Aucun autre être créé par Dieu n'est capable d'atteindre un tel degré de perfection, de raffinement, de noblesse que l'homme. Mais lorsqu'il est affaibli par ses passions avilissantes, plongé dans le vice, quel spectacle pour le Seigneur ! L'homme ne parvient pas à comprendre ce qu'il peut être et ce qu'il peut devenir. Par la grâce de Christ, il est capable d'effectuer un progrès mental constant. Laissez briller la lumière de la vérité dans l'esprit de l'homme, et l'amour de Dieu se répandra dans son cœur, et il pourra, par la grâce de Christ mort pour la lui donner, devenir un homme puissant, un fils de la terre, héritier de l'immortalité. Conserve-toi pur. 1 Timothée 5, 22. Amen. Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.